Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Je vais vous poser quelque part, je ne sais pas où. Nous sommes le 21 septembre, il est bientôt 8h. Pourquoi je me suis levée aussi tôt, vous allez me dire. C'est très bizarre, j'avoue, de me lever aussi tôt. Donc aujourd'hui, bah, c'est la rentrée tout simplement. Donc aujourd'hui, c'est la rentrée, il est actuellement 16h59, mon cours commence à 8h. Donc on a été informé hier soir à 23h que le cours de 8h de ce matin sera en distanciel. Donc pourquoi pas. Elle nous a mis des vidéos je crois sur l'ENT, donc il faut qu'on regarde les vidéos de ce que j'ai compris. J'espère que ça va pas durer 4 heures, tout simplement parce que je sais pas si vous me suivez sur Instagram, en tout cas sur Instagram je vous ai tout montré. En gros je fais 8h, 17h avec une demi-heure de pause déjeuner. La pause déjeuner est à 15h, 15h30. Le truc c'est que je fais 8h, 12h avec ce cours là, donc j'espère qu'il dure pas vraiment 4 heures. Parce que 4 heures d'informatique un lundi matin... ça fait un petit peu mal au cul. Et juste après, en fait, à 12h, j'ai marketing. Donc, il faut que je sois là-bas, à la Sorbonne, à 12h. Donc, j'espère qu'il va finir à 11h le cours pour que je puisse partir, aller à la fac. De plus, on ne sait toujours pas où on va faire cours de marketing. Et l'autre, je sais plus ce que c'était, stratégie, je sais plus quoi. Il n'y a pas le numéro d'amphi, il n'y a pas la lettre, il n'y a rien du tout. Donc, on va arriver en mode bonjour, j'ai cours de marketing, mais je ne sais pas où c'est. Donc, c'est extrêmement chiant. Voilà, vive pas rien, vive son organisation. Bref, mon cours va commencer. Il est 8h01, c'est parti, on va faire informatique. En fait, le truc, c'est que j'ai déjà validé mon C2I. Et là, on doit repasser un truc qui ressemble au C2I, c'est le PIX. C'est exactement la même chose. J'ai vu sur le NT que ceux qui avaient le C2I, bah, ils étaient pas obligés de repasser le PIX. Donc, j'en ai parlé avec la prof. Elle m'a dit, ah non, faut quand même repasser le PIX. Je suis en mode, ah, génial, super, allez. Donc, je me suis fait un petit déj, je me suis fait des tartines, je me suis pris de la pastèque, je me suis fait mon café comme d'habitude. Je me suis même pas préparée, genre, je suis encore en pyjama. Encore une sale gueule comme d'habitude. Alors, comme d'habitude, ça fonctionne jamais, hein. Bah oui. Là, on est censé regarder ces vidéos-là. Sauf que comme vous pouvez le voir, vous n'avez pas accès à ceci, donc je vais demander l'accès, tu vois. Mais je l'ai déjà fait hier soir. J'ai déjà demandé l'accès hier soir, ça a toujours pas marché. 8h26, ça ne fonctionne toujours pas. J'ai envoyé un mail à la prof et j'ai vu qu'on n'était pas les seuls à avoir ce problème là. En fait, on ne peut pas avoir accès. Donc là, en fait, en attendant, je suis en train de faire des stories Insta. J'adore cette story, elle est trop drôle. C'est soit aller me recoucher ou attendre encore. Je suis morte. Vraiment, ça me saoule. C'est chiant, c'est casse-couille. Donc écoutez, je ne sais pas quoi faire, je vais pas attendre devant mon ordi comme une débile. Je pense que je vais commencer à faire les choses que je devais faire pour YouTube aujourd'hui en attendant. Donc j'avais pas mal de choses à faire aujourd'hui, il fallait que j'envoie plein de mails, des factures, il fallait que je fasse ce genre de choses. Donc on va faire ça maintenant. Bon, il est 10h51. J'ai dormi un petit peu, je me suis reposée un petit peu, donc ça marche toujours pas, je viens de vérifier, les cours ça marche toujours pas. Alors on a reçu un petit mail de la présidence en nous disant que... la rentrée vient seulement de commencer, hein. En disant que voilà, il y avait déjà 11 cas de Covid et 3 personnels enseignants qui ont eu le Covid aussi. Donc ça n'a même pas commencé qu'il y a déjà des cas. Il a dit, mais c'est pas pour autant qu'il faudra faire du distanciel, etc. 100% présentiel, on continue, etc. Portez bien les masques. On n'a pas de place dans les amphis. Comment veux-tu avoir de la distanciation sociale? Je vais vous montrer tout à l'heure. Peut-être pas, là ça va être un petit peu mieux.
parce que c'est du marketing, donc c'est une option. Et que les amphis sont bondés en fait. Moi, je me mets à chaque fois dans des rangées où il y a quasiment personne pour pouvoir être tranquille, pour pas voilà, être autour de gens, etc. Mais il y a des gens qui se mettent tous ensemble, qui se mettent regroupés, ils n'ont pas de place, voilà. Alors que derrière, t'as de la place, même si tu vois moins, c'est sûr, mais au moins t'es à l'aise, quoi. Donc il y a mon papa qui m'a appelé aussi ce matin pour m'annoncer une petite nouvelle. Une nouvelle qui est cool, mais vachement stressante. Donc il m'a rajouté un gros boulot à faire cette semaine. Ma semaine, au niveau de la fac, a été un peu light. Et au niveau de YouTube, c'était extrêmement chargé. Très très chargé, là, cette semaine. Enfin, tout le fin septembre, début octobre, ça va être hyper chargé pour moi. Et là, il m'a rajouté une épreuve supplémentaire pour bien m'achever, là. Une épreuve cool. Vous allez voir prochainement sur ma chaîne. Je pense que vous allez être contents pour moi et tout. Et je ne me suis pas trop occupée de ça, je vous avoue. Mon père, il s'est occupé de tout. Mais ça rajoute une petite pression. Ça rajoute de la dépense de l'argent, surtout. Donc bref, je vais me préparer. Je pars dans... maintenant, faut que je parte, en fait. Je vais me capter. Avec toutes ces conneries, là, j'ai pas regardé l'heure. Je vais me... Je vais rien faire, hein, franchement, flemme. Non, t'es belle comme ça déjà. Ouais, je suis belle naturellement. Oui. Non, je rigole pas. Oui, tu es belle naturellement. Non, j'ai des cernes. Mais t'as pas de cernes. J'ai pas de cils là, comme ça. Mais t'as pas de cernes, frère. C'est quoi ton problème? Bon, eh bien, gigot. Je me suis mis du mascara parce que c'est un basique. Il faut pas que je sorte sans mascara, c'est trop chelou. Il est 11h11. Oh là là, on va se dépêcher. Et oui, je suis en train de faire sécher mes draps sur mes portes parce que je n'ai plus de place sur mon tendoir. Allez, c'est parti, on va essayer de trouver la salle. Bon, je sais pas si vous allez m'entendre avec tout ce bordel. Il est 11h49, j'ai enfin reçu le mail pour connaître l'amphi de marketing. Donc je suis contente, c'est l'amphi L. Je suis en retard, comme d'habitude. Et j'espère qu'il y aura pas beaucoup de gens. On croise les doigts, je veux personne à côté de moi. Alors je vous montre, j'ai pris une petite photo. Déjà moi j'étais tout au-dessus parce qu'il n'y avait plus de place, c'est n'importe quoi. Là ici c'était censé être le cours qu'on devait comprendre. Ce prof là lisait le cours, est-ce que vous voyez quelque chose? Non, voilà, je ne voyais rien. Donc heureusement qu'il va être sur son site internet à ce qui paraît. Mais ensuite il faisait des petits exemples. Là, est-ce que vous comprenez quelque chose? Déjà ça là, j'ai compris juste après que ça c'était alpha. Et O2, je ne sais pas ce que c'était, par exemple. Et le plus, pourquoi il est entouré, on ne sait toujours pas. Vraiment incompréhensible. Hein. Alors oui, si E appartient à K, alors K appartient à E fois X tiré alpha, union B. On est en mode, mais on comprend pas. En fait, je sais pas si vous voyez, mais là, il avait un tablette, si vous voulez. Ou en gros, il écrit dessus pour que ça apparaisse, ça là. Sauf qu'il voit pas ce qu'il écrit, il voit que quand il écrit au tableau. Donc c'est hyper galère. Non, vraiment, c'était... 1h30, incompréhensible. Et j'ai encore ça vendredi. Ça va être drôle. Bon, eh bien, je vous emmène avec moi dans mon cours de maths. Donc là, bizarrement, il n'y avait personne. Genre, je suis arrivée en amphi à 11h57, j'avais cours à midi. Je vois, il n'y a personne. Alors, je commence à douter. Je me dis, attends, il y a bien un cours, c'est bien cet amphi-là. Donc, je vérifie. Donc, à un moment, le prof, il commence à parler des TD. Et il dit, ouais, il y a des TD où genre ils sont 40 et d'autres ils sont 16, c'est pas normal, donc il y en a qui vont devoir bouger et tout. Je me dis, ça va, j'espère que c'est pas le mien et tout. Ouais, donc le TD 26-18, vous êtes 40, il va falloir que vous bougez. Et j'étais en mode, putain, c'est mon TD. Je suis deg, genre je veux pas changer, il me faut ce TD, sinon c'est le bordel dans tout l'emploi du temps. Mais nous sommes 40, il y a des TD où ils sont 16. Je sais pas si vous pouvez voir, mais bizarrement, il écrit sur le tableau maintenant. Il a attendu que tout le monde se casse, je suis morte. En fait, c'est vraiment une technique. Genre, le premier cours, il essaye vraiment de, comment dirais-je, de dégoûter les étudiants. Genre, comme ça, tous les étudiants achètent son livre, comme ça déjà, il se fait du bif. Et en plus, il y a moins de monde en amphi. Regardez, il n'y a personne devant moi. Genre, il n'y avait personne. À l'étage, il n'y avait personne, il y avait des rangées de libres. C'est toute une technique, hein. Vraiment, hein. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer l'intérieur de l'amphi. Juste après en fait le cours, je suis allée à la BU pour un peu bosser et surtout refaire le cours de marketing parce que c'était une catastrophe. Je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé juste après. J'ai bossé mes cours, j'ai aussi regardé les vidéos informatiques qu'il fallait voir ce matin. Elles étaient enfin accessibles cet après-midi. Donc je les ai regardées, j'ai fait aussi mail par rapport à YouTube. J'ai fait vraiment plein de choses, mais surtout refaire ce putain de cours. Donc voilà à quoi il ressemble, il est extrêmement moche.
poche. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait le truc introduction. J'ai mis des petits surlignages pour faire un peu joli. J'ai refait en fait toute cette partie là, là c'est vraiment moche, enfin tout le cours en fait tout est moche, la prof elle parlait super vite, donc j'essaie de mieux réorganiser, de surligner etc, enfin mon écriture elle est illisible, je ne comprends pas ce que j'écris, mais bon vas-y, j'avais la flemme de tout réécrire, donc bon je refais mon cours, je vous montre ça en accéléré, c'est parti. Bon, c'est beaucoup mieux que avant parce qu'avant c'était pas du tout surligné, c'était pas synthétisé, c'était rien du tout. Donc je suis super contente. Ensuite, j'ai continué de travailler un petit peu sur l'ordi jusqu'à 15h30, donc pendant 2 heures à la BU, il y avait beaucoup de monde. Et ce qui est bien à la BU, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de place pour nous. Enfin, il n'y a pas beaucoup de place pour les gens pour s'asseoir, mais il y a beaucoup de place pour nous. Enfin, j'ai pu respirer, j'avais personne autour de moi, je touchais aucun coude, j'étais ravie. Bref, après, je suis allée à mon cours de fiscal. Encore une fois, je ne peux pas vous montrer pour des mesures aussi de sécurité, je ne peux pas vous montrer l'intérieur de PMF. Donc je suis rentrée à la maison, il était 18h30 je crois, donc j'ai pris mon petit métro et je vous raconte ça en rentrant. Bon, je viens de rentrer, j'ai hyper faim puisque je n'ai pas mangé depuis 7h30. Ouais, donc je vais me prendre un truc à manger, je vais me manger déjà de la pastèque parce que je n'en peux plus. C'est plein d'eau et c'est super cool parce que c'est genre, j'ai soif. C'est genre un steak mais en fait c'est pas un steak. Putain, sauvez-moi. C'est pas steak. On m'a vu. J'en rêvais. Mais t'es con. Je voudrais déjà en vacances. Oula la, poutou poutou tou poutou. Dans la cuisine. Ouais. Toi n'a que faire des conseils d'une vieille corneille. Putain. J'ai regardé le roi lion, ça y est. Ouais. Je dis bonjour à mes chiens. Enfin mes chiens. Si. Mon chat c'est un chien. Bonjour Ticket. Ouais. Super le bonjour. Ticket. Oh oui, mais on s'est vu ce matin, pas genre. Ils sont restés tous les deux sur le surmatelas. Toute la journée collée serrée. Genre c'est la première fois que Birdie se colle autant à Bichette. Eh vous êtes potes en fait hein. Tu fais genre et tout mais tu l'aimes bien Bichette. Je suis arrivée en fille, il était blindé mais blindé. Genre j'ai pas compris. La prof elle était dépitée et tout, elle en avait ras le cul. Elle demande une salle où on peut accueillir 350 étudiants. Au final elle a une salle qui peut accueillir 250 étudiants. Alors déjà qu'on est hyper serré comme pas possible, l'amphi est extrêmement petit, mais en plus il est mal ventilé, donc c'est encore mieux, donc elle était ravie la prof. Donc il y a plein d'étudiants qui n'ont pas pu assister au cours, qu'ils ont dû aller à la bibliothèque au 5e pour regarder en visionnage, parce qu'ils le font en visioconférence. Je crois que sur l'ENT, enfin sur le site de Paris 1, l'ENT, il y a les amphis qui sont en visio et on peut y accéder. Alors je sais pas trop comment on fait, j'ai pas regardé. Ils pouvaient pas se mettre aussi sur les marges d'escalier parce que la commission de sécurité elle a dit non et tout. Enfin la commission de sécurité elle nous voit, on est collés comme pas possible, on se touche les coudes de partout. Elle dit rien, on était serrés comme pas possible.
Il faisait beaucoup trop chaud. La prof, j'ai pas trop aimé. Genre marketing, j'ai pas aimé. J'aime pas son cours. J'aime pas du tout. C'est hyper mal construit. J'aime pas la manière dont elle parle aussi. Donc j'ai pas accroché en fait à cette prof là. Et cette prof là, elle fait deux options que j'avais choisies. Donc l'option marketing, l'option stratégie. Donc au final, je vais pas choisir l'option stratégie parce que si son cours de marketing est pareil que le cours de stratégie, c'est-à-dire brouillon, ça va pas me plaire. Donc je vais choisir autre chose comme option. Mais au moins, ça m'a permis de voir que la prof, bah, j'y arrive pas en fait. J'arrive pas. Elle lit ses diapos, enfin... Ensuite, donc je suis pas allée au cours de stratégie qui était juste après, donc j'ai eu 2 heures de trou. Je suis allée à la BU, comme vous avez pu le voir. J'ai essayé de réorganiser un peu son cours, de faire un truc un peu plus joli, etc. Parce que c'était vraiment moche, mon cours, j'aurais parlé super vite en plus. Et j'ai regardé aussi les vidéos informatiques qu'il fallait regarder ce matin à 8h. Donc en fait, ça sert pas à grand chose que je me lève à 8h pour regarder les vidéos à 8h. Vu qu'elles y sont toute la journée, je crois, même peut-être toute la semaine. Je sais pas comment ça va se passer. Puisque après, j'avais fiscal. Mon droit fiscal, je l'ai déjà fait en L1 droit. Je suis jamais allée au cours d'amphi en fait. C'était une mineure et c'était pas ce qui m'intéressait le plus. Je suis jamais allée. En fait, je crois que j'aimais pas le prof. Genre, à chaque fois, c'est une question de prof. Je les aime pas et j'aime pas la manière dont ils enseignent, donc ça m'intéresse pas du tout. Là, le prof, il était génial. Bon, il part un peu dans tous les sens. Mais il était super drôle, c'était un vrai prof. C'est dommage parce qu'il y en a plein qui l'écoutaient pas, pourtant ce qu'il disait c'était super intéressant. Donc je vais aller à ce cours là, et logiquement, normalement, la semaine prochaine, il y a mes TD. Donc normalement, la semaine prochaine, je finis à 20h, je fais 17h, 20h je crois. Je prends un truc comme ça pour le C2I. Donc là en fait, il est actuellement 19h, j'ai bossé un peu au niveau de mon iPad pour les cours et pour YouTube. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je dois monter ma vidéo Ramouille, que j'ai pas encore montée, donc il faut que je le fasse. Ce qui est chiant en fait, quand t'es étudiant, salarié et auto-entrepreneur, t'as les trois statuts et tu dois à chaque fois bosser. Étudiant, tu bosses pour ta fac, YouTube, t'es obligé de bosser, et salarié, tu bosses le week-end, donc t'as pas beaucoup de temps. Donc t'essayes de faire plusieurs choses à la fois, par exemple là je suis en train de regarder des conneries à la télé pour essayer de me distraire, genre les 10 couples parfaits, la base. Et là je vais monter mes vidéos. Il y a aussi le fait que j'habite dans mon appartement, donc j'ai aussi un appartement à entretenir, donc c'est aussi beaucoup de temps. En fait c'est toute une organisation à chaque fois, enfin faut vraiment être organisé pour arriver à bien gérer les choses. Parce que t'es vite dépassé, surtout là cette semaine comme je vous ai dit c'est blindé de chez blindé. Mon emploi du temps il est ric-rac, j'ai pas de temps pour moi, je le sais et je le vois et je le sais. Et j'aimerais être tranquille la semaine, donc j'essaie de les monter toutes d'un coup et de vous les uploader pour être vraiment tranquille. Des fois ça se passe pas comme ça, des fois là comme par exemple je dois me presser pour monter la vidéo pour que vous l'ayez en temps et en heure et que je sois pas en retard, etc. Enfin bref. Donc j'en suis à 3 minutes, il me reste 20 minutes de montage, enfin 20 minutes de vidéo brute. Donc ça va, c'est pas une vidéo très très longue, ça va pas me prendre trop de temps. Vous savez ceux qui aimeraient bien voir à quoi ça ressemble, donc moi j'ai iMovie, c'est le truc vraiment le plus basique. Donc là t'as les vidéos brutes, donc c'est quand je filme etc, enfin bref c'est brut quoi. Ensuite je les mets dans, dans cette petite partie grise. Ensuite je cut les moments où je bug, où il y a un blanc etc, donc je fais ça tout le long. Là par exemple il y a un peu de blanc, vous voyez là il y a du blanc entre là et là. Donc il faudra que je le cut, enfin voilà, plein de choses comme ça. Là par exemple, il y a un blanc, donc il faudra que je l'enlève. Enfin voilà, c'est que des trucs comme ça. Après tu peux rajouter une musique, tu peux rajouter des titres, voilà. Et tu peux rajouter des transitions aussi. Stay one more night, don't you know that my love is true? Let's make things right, I understand what you're going through. On va faire une petite lessive. Oh ce bordel. J'ai sorti Birdie, j'ai jeté les poubelles et tout. Genre elles sont vraiment bien mes poubelles, hein. C'est fou. C'est pas que des poubelles pouvaient changer la vie. Donc c'est des poubelles en fait qu'on accroche à l'intérieur du mur. Et vraiment au top. Ça m'a coûté 60€ je crois. Vraiment super bien. Et la machine. Voilà.
On va passer un coup de d'aspirateur. C'est hyper pratique, vraiment j'adore cet aspi. Vous pouvez voir que Bichette n'a pas peur, hein, parce que le bruit n'est vraiment pas fort. D'habitude, il se cache, il se planque et tout, et là... là, ça va, il s'enfuit pas. De la pâtée au loulou, Birdie, je lui ai donné un petit os, je me suis fait un café parce que je suis à bout, je suis levée depuis 7h30 du matin, je suis fatiguée. J'ai plus l'habitude moi de me lever à ces heures là les enfants, moi c'est le minimum genre 8h30 quoi, mais avant vous me perdez totalement. Bon, et eh bien il est actuellement 23h33, je vais seulement aller me reposer. J'en peux plus, je suis fatiguée. Mais il faut que je fasse du montage, malheureusement. Je vais me regarder une petite série, genre Lucifer et tout, mais je vois que j'ai beaucoup de retard dans les montages et dans YouTube. Donc il faut que je bosse, voilà. Et je pense que j'ai bossé jusqu'à minuit et demi, une heure, et après je vais un peu m'arrêter. Donc en fait, je ressors de la douche, là. C'est pour ça que j'ai une tête éclatée, sa mère. Donc j'ai fait le linge, j'ai détendu le linge, j'ai mis le linge à sécher, j'ai refait une machine... j'ai lancé de la vaisselle, j'ai rangé un peu l'appart, enfin bref, j'ai fait tout ça là, ce soir, je suis explosée et c'est pas fini encore. tout ce qui est night routine, tout, je vous voulais pas montrer parce que vous avez déjà vu normalement dans mes anciennes précédentes vidéos, ça n'a pas changé, mes morning et night routine ça n'a pas changé, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc voilà pour ma fac aujourd'hui, pour ma petite journée. C'est une journée assez chargée, je vous avoue, c'est pas autant chargé d'habitude, enfin si, c'est chargé comme ça à chaque fois. Bon, on apprend à s'organiser, comme je vous ai dit, je suis étudiante, j'ai mon appartement, je suis salariée aussi, je travaille le week-end et j'ai aussi mon entreprise, donc il y a pas mal de choses à faire. On s'en rend peut-être pas compte hein, parfois, mais il y a beaucoup beaucoup de choses à faire, surtout dans cette période-là, de septembre à décembre, c'est une catastrophe. Non, c'est pas une catastrophe, c'est cool, tu vois, t'as du boulot, t'as encore plus de boulot que d'habitude, mais il faut se donner à fond et comme c'est la rentrée en plus, donc ça... Bref, il y a tout un bordel qui se fait. En plus, là, mon père qui débarque et tout. Enfin, bref. Ça va être drôle, moi, je vous le dis. Donc, bref, je vais vous laisser là. Je pense ouais, que je vous ai assez montré de choses aujourd'hui. Enfin, j'espère. Ah oui, pour celles et ceux qui ne le savent pas, je ne sais pas si je l'ai précisé au début de la vidéo, mais je suis en L2, gestion à Panthéon-Sorbonne. Voilà, je sais. Je suis arrivée en mode bonjour et tout, mais peut-être qu'il y a des nouveaux arrivants qui ne savent pas. Voilà, la fac n'est pas parfaite. De toute façon, aucune fac n'est parfaite, l'administration est encore moins parfaite. C'est comme ça, la fac. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là, si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.